Monsieur Léonel Bilot, au nom de leurs excellences, Monsieur le Président du FASO et le Premier ministre, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. L'éducation ne doit pas être une question superficielle. Elle est l'une des clés de notre futur. Comme un serviteur, je viens humblement joindre mes mains aux vôtres pour affronter les grands défis de notre noble ministère. Je m'engage d'ores et déjà à faire du dialogue et de la concertation un outil de travail pour surmonter les difficultés courantes. Les chantiers sont nombreux et gigantesques, dans un contexte national et international difficile, marqué par de nombreux enjeux et défis. Ce faisant, je sais que je peux compter sur votre franche collaboration et votre engagement autour des valeurs de refondation de notre État et celle de l'amélioration de la gouvernance. L'implication de toutes les forces vives de la nation, y compris les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux, l'ensemble des acteurs du système éducatif est nécessaire pour parvenir à une éducation de qualité, une éducation au service du vivre ensemble et du développement.